Enfin un peu si. J'aimerais pas avoir de maladie. Parce que t'as des remèdes. Pas pour tout. Ouais, mais t'as la plupart, oui. J'aimerais pas avoir de maladie. T'as déjà eu une assez grave cette maladie? Quoi? On a déjà eu une maladie un petit peu grave quand même, qui t'a allé à l'hôpital? Ouais. Moi aussi. T'as eu quoi toi? J'ai une infection à la moelle épinière, l'angoisse. Ou c'était un truc dans les oreilles, je sais pas. Petite? Non. Attends, j'ai plusieurs trucs, j'ai eu de l'asthme, je suis allée à l'hôpital. Quand j'étais petit, j'avais un médicament. Du coup, quand j'étais petit, j'ai avalé un médicament. Je suis quand même grave. J'ai avalé un médicament de d'aspirine. Je suis à l'hôpital. J'ai eu plein de trucs. J'ai bu de la javel. On m'a fait un lavage d'estomac. Bonjour, je suis Marc-Sylvain Dillier, prisonnier à la clinique des trois. Les gens n'ont pas changé, mais bon. Les amis très proches sont devenus plus tolérants. J'ai beaucoup d'amis et moi ça me fait chier. Peut-être trop d'ailleurs. Ça me fait chier. Il paraît que dans ma maladie, ma façon de projeter les choses, c'est prévu mais que... quand je retrouverai mon appartement, que je regarderai le soleil. Je ne me sens pas malade. Par exemple, je n'arrive plus à écrire. J'ai vraiment une écriture de mongolien. Si je voulais envoyer une bouteille à la et mer, je reprendrais mon travail personnel en tant qu'artiste. Ce serait une écriture de mongolien. C'est très important, pour moi. Et j'ai fait 10 ans de beaux-arts. Et j'en suis extrêmement Mon co de père ne comprend pas ce que ça veut dire, être un artiste. C'est vraiment un con de père. Je mange mon pain noir. Arriver à soutenir l'attention d'un texte. Cut. Vas-y, ça déconne, tu peux faire quoi? Je sais pas. Toi, je sais que tu veux faire pompier. Moi aussi, j'aime bien, mais je vais quand même faire un métier. Je ferai un mi-temps. Je vais faire un ingénieur. De la connerie? En équipement moto. Tout est rompu. C'est fini. J'ai l'impression que ma vie est finie. Le problème, c'est que je n'ai plus aucune idée. J'ai plus d'idées. Mais je pense que ça va revenir. Je trouve plus d'idées. Oui, j'ai continué mon travail personnel et je l'ai même vendu. J'ai vendu deux pièces. La seule chose, c'est que ça a besoin d'argent. Et je ne suis pas peu fier. Condition complète. Ça, tu peux pas. J'y crois pas. Si. Non. Regarde. Non, j'y crois pas. Il paraît que je suis un mutant. J'en ai pas besoin. Ah oui, regarde-moi ça.
J'ai une tête de 8 ans. N'est-ce pas? Jamais de ça vous répondra que j'ai une adénoleucodystrophie, mais bon, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Une anecdote. Qui s'est passé ici? Un type qui s'est suicidé et qui s'est réussi. Comme quoi, on n'est pas. Ça m'a fait comment dire très envie. Pas on n'est pas sécurisé ici. Dans cet endroit. Pas que. Il s'est suicidé. Pas au sujet de la mort. Il s'est pendu. Au sujet de l'absence de problème. Il s'est réussi. J'aurais tellement aimé être celui-là. Cet homme n'a plus de problème à l'heure actuelle. Donc la personne qui s'est pendue a utilisé la potence de la télé. La potence de la télé. Il n'y a plus de problème. Quelle force il a dit à moi. Je l'envie beaucoup. Je suis certain de ne pas trouver cette force. Je n'en regarde même plus la télé. J'en ai assez. J'avais une copine. Maintenant, je l'ai plus. D'un seul coup, elle s'est mise à ergoter sur tout. Rien n'était assez bon pour elle. Et je lui en veux toujours. Toujours. Et sans doute pour la vie. Bah oui, on a partagé notre. En fait, on allait chez elle. Un mois, à peu près. Ça a duré un mois. C'est-à-dire, c'est pas bon. Moi, je suis resté. En fait, je suis pas resté longtemps du tout. Ça a duré. C'était une fille qui s'était fait violer. J'ai jamais eu aucun rapport avec elle. C'était une vraie chérie, cette femme. Et je l'aime toujours. C'était Charlotte, elle s'appelait. Je lui ai dit, mais bon, elle s'en fout, quoi. C'est une connasse. Qu'est-ce que j'ai pu l'aimer, cette femme? Quand j'aime, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne sais plus quoi dire. Ça fait deux fois que le docteur Fischer, c'est le big boss, me laisse entendre que j'allais sortir, et en fait, je suis pas jamais sorti. Donc je ne crois plus en rien, ni en personne. Trois mois et une semaine. Et c'est beaucoup. C'est énorme. Deux fois que le docteur Richard
me laisse entendre. Je suis prisonnier à la crise des trois cités. Et que ça ne se passe pas. Ça ne peut s'appeler que comme ça. Moi, je ne crois plus en rien ni en personne. Je ne me sens pas du tout malade. J'ai toujours vécu avec ma leucodystrophie. Donc, j'ai toujours vécu avec elle. Moi, c'est un... Je dois le redire, c'est une maladie compagnon bizarre. Adéno-leucodystrophie. Je mourrai avec. Moi, je parle pas grec. Je cherche mes mots. J'aimerais beaucoup retomber amoureux, mais dans un hôpital psychiatrique, c'est pas trop possible. Elles sont toutes cinglées. Vous savez qu'on est dans un asile psychiatrique. Je suis quand même dans un hôpital psychiatrique. Un authentique asile psychiatrique. La maison des fous. Je dois dire que... Qu'est-ce que je joue avec ces gens-là? Je ne me sens pas à ma place. C'est quoi le point commun? Je me le demande. Je vous le demande. Pourquoi je me retrouve ici? Où est le point commun? J'ai dû tuer quelqu'un, je pense. En tout cas, fortement lui nuire. Donc, c'est décidé, je veux faire un procès à mes parents. Donc, un procès pour maltraitance. Traduire en justice. Et mes parents, j'ai décidé les accuser de maltraitance. Je pense être réellement maltraité. Qu'un seul mot à dire pour m'en faire sortir. Ils ne le font pas. Le rapport que j'ai avec les gens, c'est que des fous furieux. Avant, j'étais au deuxième étage. Et au deuxième étage, ça hurlait vraiment. Donc, je repense à une femme qui avait une idée fixe. Et à chaque fois, elle disait, j'arrive pas à faire caca. Et dans la conversation, ça revenait 150 fois. Vite. Très rapide. J'arrive pas à faire caca. Moi, je suis Marc Dillier.
j'ai une maladie génétique. Ma pseudo-maladie, c'est déclarée à 33 ans. Et je voulais avec. Si. Les premiers symptômes, c'était que je me chiais dessus. Je me pissais dessus. Maintenant, j'ai plus ce problème. J'en ai d'autres. En plus, c'est ça le vrai problème. J'aimerais tellement qu'on me tue avec les médicaments. J'en peux plus. Moi, je demande la mort. J'en peux plus. J'ai peur. J'ai terriblement peur. Donc j'ai peur d'une chose. J'en peux plus. C'est être ici pour très longtemps. Je veux mourir. J'ai la trouille. Merde. Quelle merde, putain. J'ai peur de mourir ici. J'ai très peur de la mort, en fait. J'ai peur de mourir ici.
Donc je ne crois plus en rien. Ni en personne. Je ne crois même pas en Dieu. Je crois seulement dans les textes de la Bible en tant qu'image et que métaphore. Et ça, j'y crois beaucoup. En ces termes. Moi, je pense que c'est ma meilleure pièce. Pour moi, c'est le summum. T'as qu'à faire mieux, là. Oui. T'es là-bas au bout. Ça se passe dans un bistrot que j'aime beaucoup. J'adore Mozart. Moi, je mets pas de la techno sur mes vidéos. Je ne sais pas quoi dire. Donc je pense avoir tenu un sommet par cette vidéo. Donc maintenant mourir. C'est idiot ce que je dis. On peut pas mourir dans une clinique. C'est défendu. Mais, comme je disais, il y a eu un suicide réussi. Je propose 10 000 francs pour cette vidéo. Qu'en pensez-vous ?